Are you insane, Mike? Been in pain, Mike. Bought $100 bottle of champagne, like. Bonjour à tous, c'est Godric. On se retrouve aujourd'hui pour du PVP. On va se retrouver pour du 1v1 en Coliseum. Donc là, actuellement, je suis en 7 victoires sur 9 Coliseum, ce qui est vraiment pas mal. Donc je fais cette vidéo basée sur le SRAM, qui sera pour ce combat R, donc un mode totalement basique, où je vous spoil les kamas, mais bon, la vidéo elle arrive, vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment le mode basique, donc c'est une Corona Lister et une cape indescriptible, et le reste c'est vraiment du basique, avec full Dofus et le Dococo. Bon, moi je vous conseille de mettre le Dofus scintillant. Vraiment, le Dofus scintillant, moi je trouve ça vraiment pété, et je vais vous montrer en fait plusieurs techniques qui permettent au SRAM d'être ultra fort. Donc par exemple, on peut faire une dérobade qui va pouvoir vous mettre invisible dès le tour 1, ce qui est vraiment un avantage, hop, sans vous faire spotted, pardon. Donc dérobade qui peut être relancée tous les deux tours, avec l'invisibilité qui dure maintenant 2 tours, mais avec un temps de relance de 5, on peut être visible uniquement 2 tours. A noter qu'avec une cape de classe, donc moi je pense vraiment que ça va être nerfé le combo dérobade piège mortel, parce que actuellement ça serait vraiment insane. Hein. Vraiment, enfin si c'est utilisé. Quand beaucoup de gens l'utiliseront, vous verrez que en Kama va le nerfer, c'est pas possible sinon. Parce qu'avec une cape de classe, ça signifie que vous serez visible un seul tour. Alors qu'ils ont tout fait pour arrêter que le SRAM soit tout le temps totalement invisible et tout. Moi je le comprends, je joue SRAM en perso principal. Je peux comprendre qu'il y a des classes qui n'ont pas de sort pour spotter le SRAM. Et ben, ils ne supportent pas de devoir à chaque fois essayer de spotter le SRAM durant tout le combat. Je le comprends, il y a zéro fun à faire ça. Alors, je vais essayer de bien placer mes pièges. Tac, tac, tac. Ouais, bon, bah, là, ils seront pas bien placés. Par contre, je peux faire ça. Donc là, je vais claquer une épidémie sur le double et je vais pouvoir infecter le Sadida derrière. Donc là je m'expose beaucoup, mais en fait le Sadi il va être bloqué par le double d'un côté, et de l'autre côté je serai là avec les 2 PM dans la vie. Ouh mince, j'ai mal calculé. Oh là, je suis vraiment une bite. Ah là j'ai merdé, hein. Parce qu'en plus avec la PO du comploteur, j'aurais pu le mettre à un PO de plus. Donc là c'est vraiment my bad. Donc le Sadi là il a pas l'air si optique que ça, il a pas d'ivoire, il a pas d'ébène non plus, donc là il va me spotted. Et là en fait l'objectif ça va être que le Sadi ne puisse pas se barrer. Il a une sacrifiée qui peut me faire du 1400 sur mes résis. Il peut me faire très mal, donc surtout s'il joue Groot, Trent, il peut me jarter à l'autre bout de la map, faut que je fasse vraiment gaffe. Donc là c'est un Sadida, faut pas hésiter. Érosion, érosion, érosion. Et tac tac tac. Alors là je vais éroder. Il a claqué le tremblement au tour précédent, du coup il pourra pas se dégager. Et je vais mettre mon double juste devant moi pour pas qu'il puisse partir. Donc là il a un ébène sur les fesses. Donc le combat là je pense qu'il est plié, hein. Bon, encore une fois, le Sadida il a pas l'air ultra opti, j'ai même pas deviné son élément, mais je pense que c'est un Sadida qui joue, ouais bah voilà, ça, il joue Malévodou, c'est pour ça qu'il a passé ses invoques, etc. Malheureusement en fait il s'est éloigné de ses invoques, ça c'est vraiment une erreur que les Sadis font, enfin les Sadis pas très opti font. Si on s'isole de ses invoques, la gonflable elle pourra soigner que si vous collez à un arbre, la bloqueuse bah elle me bloque pas, je suis un SRAM R, la folle elle a même pas eu le temps de m'infecter. Bon, là, elle m'a infecté. Et là, du coup, bah, il a lancé son harmonie, hein, ce qui est totalement logique. Donc, si je dis pas de bêtises, les poisons tapent à travers harmonie. Hein. Tac. Je vais me mettre ici. Pour se dégager, il sera obligé de faire un arbre. Ouais, c'est ça. Les poisons tapent bien à travers harmonie, je me trompais pas.
Ouais, donc en fait là je peux que faire du poison et temporiser le temps que les invoques partent. Donc là la folle elle pourra pas me taper, la gonflable elle pourra le soigner deux fois. Ah non, il a pas évolué son arbre. Et la surpuis, elle a sûrement la PO pour me retirer des PM. Donc là j'ai replacé l'héros. Faut que je fasse gaffe quand même. Donc là, comme ça, je mets le poison. Il faut vraiment privilégier l'érosion. Hein. Je pourrais mettre un poison si Dieu, mais vraiment l'érosion est trop importante. Parce que vous pouvez le voir avec la gonflable, il peut se régénérer trop de points de vie. C'est, ça serait vraiment trop risqué. Donc là, il y a l'harmonie qui est partie. Et en fait, en soi, il a une bonne tactique. C'est juste que moi, je lui ai mis vraiment la pression avec les deux fourvoiements à distance. Mais c'est aussi l'avantage du mode R, en fait. Le mode O, ça va être plutôt être de la temporisation. Alors, ça m'embête. Ça commence à être dangereux, là, ce qu'il me fait. Alors ce que je vais faire, c'est je vais lui mettre un ébène sur la tête. Ouais, je vais prendre de l'agi. Donc là, il a un double ébène. C'est ça. Donc il a 1200 PV, 1800 PV maximum. Ouais, en fait, honnêtement, je le critiquais au début du combat, mais sa tactique, elle est assez bonne parce que il place un énorme jeu d'invocation. Il a beau s'éloigner un petit peu, hein, c'est une erreur, je dis toujours, qu'il aurait pas dû faire. Mais en soi, les invoques ont eu le temps de rush. Et avec l'harmonie, bah, en fait, je vais taper du zéro, quoi. Donc là, je dois déjà remettre l'érosion. Et en fait, là, je me rends compte que je suis mal. Bah en fait je vais full taper là. Tac tac tac. Je vais me régène avec une mantache et bon je suis en stalac. Je vais jouer sur le full rocks. Et j'ai peur que ça n'aille pas. Donc là il va me remettre sa malle vaudou. Ouh là 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 là. Et là il va se faire full soin par les gonflables. Ah mais il est plus érodé. Comment ça, il est plus érodé? Donc là, j'ai mis ça. Mon objectif c'était de l'éroder. Par contre, il a bloqué sa folle. Donc sa folle ne pourra pas me râler des PA. Donc là, toujours, je vais lui mettre l'ébène sur la tête. J'ai préféré éroder, mais l'épidémie, elle aurait été vraiment très worse. Et en fait, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'était privilégier le full rocks pour essayer de le tomber. Parce que c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait les deux événements sur sa tête. Donc là, il me tape avec le tremblement. Il remet son fléau pour se régénérer. Hein. Oh là là, il me remet en une harmonie. Donc là, j'ai vraiment bien fait de mettre l'ébène, de charger l'ébène au tour précédent. Donc là, il en restera plus qu'un sur la tête. Et là, faut vraiment. Ouais, mais là, je finirai pas. Est-ce que je peux me dégager? Parce que là, il a 0 PM. Je vais le brain. Je vais faire croire que je suis cassé. Et je vais rester ici. Là. Même faire là il peut pas me spotted. Ah si, ça fait des deux push, je suis spotted, là je suis bête, mais bon je sais pas s'il va réfléchir beaucoup. Non en fait ouais, si j'avais mis là le piège aussi il aurait donc est-ce qu'il va comprendre que je suis mis là pour le brain? Dans tous les cas même si j'étais parti là-bas. Donc là il m'a pris avec le poison de proxy. Je pensais que le poison de proxy c'était la variante de tremblement. J'étais sûr que c'était ça.
Moi je me trompe, hein. Peut-être que ça a changé. Donc toujours harmonie, hein. Donc aussi ça peut être la nouvelle arnaque contre les classes R. Ça fait vraiment très mal, hein. Ça enlève 200 d'agilité, c'est vraiment très fort. Alors, le meilleur truc que j'ai à faire. 300. Et ben moi je pense que je suis avec les poisons. Tout ce que j'ai à dire. Hein. Alors je vais voler sans arnaque au corps à corps. Tac. Ouais, moi je pense que je tue là. Il a double ébène, double insidieux. Ouais, ça passe. Donc au final, j'avais mis à 2000 points de vie, je crois. Il a réussi à me temporiser. Donc mon erreur, c'était peut-être d'être resté à son corps à corps. Mais au final, le problème d'harmonie, c'est que t'as plus de PM. Il peut pas, il avait pas la ligne de vue pour passer des arbres pour me tremblement. Et du coup, bah ça l'a fait bégayer, on va dire. Et du coup, là, je me retrouve en 8 sur 10 en victoire. Et du coup, bah, je vais mettre un. Aux 11 minutes, je vais vous mettre un deuxième Coliseum, mais cette fois-ci en accéléré. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer le SRAM R. Donc on peut aussi jouer Injection Toxique. Donc moi, j'ai tendance à mettre Fou Vraiment parce que c'est vraiment pour éroder de loin et utiliser la dérobade Piège Mortel pour s'invisibiliter un tour de plus. Parce que mettre la marque mortuaire, donc ça, c'est pour éroder. Ça marche un peu comme la perfidie SRAM, plus on met de pièges et plus il y aura un bonus d'érosion. Ça dure 2 tours. Comme le fourvoiement désormais, mais faut être visible ou ça enlève l'invisibilité si on le met. C'est très difficile à placer, je trouve. Hein. Alors que le fourvoiement, ça tape en zone en plus. Ça peut vraiment faire la diff. Heureux, donc là on se retrouve quand t'as un steamer de poux. Donc comme vous le savez, actuellement c'est vraiment une méta de poux les steamers. C'est très 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 fort. Vous allez le voir à la fin du combat, il va me mettre un tour. J'ai vraiment eu très peur. Donc là, la dérobade T1 pour ensuite érosion T2 parce que T1 je peux pas l'éroder. Donc là, une petite erreur de ma part, c'est que j'ai mis la mauvaise variante de concentration de chakra. Maintenant, il y a un boost pour 2 PA. On peut avoir 30 dommages sur le SRAM. Donc là, direct, je mets la pression, il est érodé. Je gagne une épidémie, je le bloque parce qu'il joue culbuté. Du coup, ça peut pousser le double si je le place mal. Donc là, mon objectif en fait, c'est de le tomber, c'est PV max. Il joue 50% de résistance R, il a 5000 points de vie, c'était vraiment très dur. Donc là, tout de suite, je remets la dérobade. Donc, petite ironie dans l'histoire, il me dit c'est trop cheaté SRAM. Non, c'est le steamer d'Opu qui est trop cheaté. Je vous spoil pas les dommages qu'il va me faire, mais vous allez voir, à la fin du combat, c'est insane. Alors que. J'ai fait mon possible pour faire les bons placements, etc. Donc là, je prends pas le risque. Hein. Je tue l'attaque Tyrell parce qu'il y a des sorts maintenant qui peuvent te mettre en longue vue sans ligne de vue. Donc j'ai vraiment pas pris le risque. Donc là, il décide de me rush. Donc bonne idée ou non. Moi, je pense qu'il aurait dû rush, mais là, il s'expose vraiment trop. Donc j'hésite pas. Hein. Je remets l'érosion. Et j'essaye de faire en sorte qu'il puisse pas me mettre des free dommages parce que là il va Evo T3 la tourelle parce que maintenant ils peuvent le faire assez rapidement. Donc j'ai mis une KWOT pour gêner la ligne de vue, mais je savais qu'il pouvait se transposer avec la KWOT et mettre cette actie à la place. Du coup ça me fait un peu peur des dommages qu'il pouvait me faire, mais je pensais bien que la tactique pouvait me faire que une ligne de dégâts. Elle m'a quand même mis du 900, hein. C'est des dommages nets. Moi je trouve ça abusé, ça passe à travers les ivoires. Tu peux mettre un peu de repos, ça c'est trop négligeable. Donc là, il est à 1300 points de vie. Pour moi, la win, elle était faite. Hein. Donc là, il y a une tourelle qui lui a mis des points de vie, une espèce de vitalité. Et je ne connaissais pas. Là, j'ai mal mis mon double. Hein. J'aurais dû le passer où j'ai ping la case pour pas que le culbuté la pousse. Donc ouais, en fait, la tourelle, elle lui fait une mini vita. Du coup, je me suis dit, au début du tour de la tourelle, et ben, en fait, il va perdre cette vita. Et du coup, il ne pourra pas me tuer avec la tourelle. Donc là, je rejouais avec la dérobade parce que j'étais sûr que là, il pouvait me faire un tour dévastateur parce qu'il avait toutes ses tourelles de mise sur le terrain. Donc là, on approche vraiment de la fin du combat. Vous pouvez voir, je suis full vie, il est full érodé, etc.
Donc là, petit might bad de ma part, j'ai voulu perquisition le double pour que le double puisse par la suite exploser sur le steamer, mais vous voyez en fait les dommages du double, ils étaient ridicules, c'était du 200, c'était pas du tout rentable. Et là on va voir les dommages qu'il va me faire, c'est n'importe quoi. Il me fait du 1500, du 500, et là la tacti allait me taper, sauf que la tacti avait mis la vitalité. Donc je disais en fait la tacti à son début de tour elle a perdu la vitalité. Du coup elle a peu le temps de me taper, elle a enlevé la vitalité qu'elle avait mis au steamer avant. Du coup ça m'a permis de win, hein. Je sais pas si il allait me faire les 1900, je pense pas, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'était vraiment n'importe quoi. Donc là pour les personnes qui jouent pas SRAM ou qui jouent SRAM mais qui n'ont pas encore eu le temps, il y a eu diverses modifications sur les variantes. Donc actuellement, hein, piège funeste qui était la variante d'attaque mortelle et maintenant la variante d'épidémie, donc c'est bien plus simple à utiliser maintenant l'épidémie. Pareil, alors ça c'est... Bon, en Kama, heureusement que vous avez fait ça clairement. Maintenant l'injection toxique et la variante de fourvoiement. Parce que clairement, hein, s'ils avaient vraiment distingué les deux dans deux sorts différents, le SRAM R aurait été la classe la plus forte du jeu. Parce que l'injection toxique qui aurait été combinée à un fourvoiement qui érode à distance, ça aurait été n'importe quoi. Donc bien heureusement, ils l'ont pas fait. Petite chose à noter, alors la poisse qui maintenant minimise les effets aléatoires comme l'ancienne poisse, hein, l'ancien sort de classe du SRAM. Donc ça peut vraiment être très utile, notamment quand tes classes utilisent les coups critiques. Je peux prendre l'exemple, je sais pas, d'un Yop Terre qui a la précise de dispo, qui est full boost, etc. Vous perdez 4 PA, mais si vous pouvez baisser son Rox de 1500, ça va être vraiment conséquent pour la suite du combat. Donc c'est riche, hein, 4 PA c'est très riche, surtout qu'on peut le faire tous les deux tours, mais ça peut vraiment être cheaté. Donc là, pareil, moi je garde peur, mais prix ça peut être vraiment fort quand vous voulez vous éloigner des ennemis avec le double, mais bon, moi je joue le comploteur pour qu'il fasse des petits dommages. Alors sinon, il y a la manigance, donc ça c'est le premier sort de boost qui suit concentration de chakra qui existe plus maintenant, qui donnait des coups critiques avant. Il est vraiment pas négligeable, pour 2 PA, on peut se booster 30 dommages. Franchement, c'est très propre, surtout qu'on peut le faire à deux cibles différentes, sans ligne de vue, et il y a une PO modifiable. Donc c'est vraiment le sort boost qui est sorti récemment, qui est vraiment très fort, je trouve. Enfin bon, ça c'est mon propre avis. Alors sinon, bon, le mode haut, je voulais pas présenter, mais moi, pour les gens qui font du PVM, je vous conseille... Alors, soit vous avez le mode R, soit le mode O, mais le mode O est très fort parce qu'en fait vous pouvez soigner vos ennemis avec du soin qui est vraiment énorme. Faut vraiment que vous le voyez de vous-même pour comprendre. Et ça, bah alors, c'est un sort. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis un sort malus Rési poussé. Franchement, j'en ai aucune idée. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir mis un sort qui réduit les résistances poussées. Alors peut-être ça serait pour combiner avec coup sournois qui pousse de 3 cases, faire un mode feu d'Oppou. Mais sinon je vois pas l'objectif de jouer avec ce sort. Il a pas des dommages fulgurants. Après voilà, bon je connais pas trop, il y a une portée qui est assez forte, 4 PO c'est quand même pas mal. À tester sur un SRAM feu, je sais pas. Et sinon maintenant bah il y a l'attaque mortelle et le piège mortel qui taperont 10 de plus environ si l'ennemi a moins de 25% de leur point de vie. J'estime que c'est nul. Pourquoi? Parce que maintenant il y a les ivoires, il y a les dofus scintillants, il y a les machins, il y a les machins. Même à 25% de points de vie, c'est même pas sûr que vous finissiez le mec. Franchement, prendre un mode full terre pour un Coliseum ou autre, c'est vraiment trop risqué pour jouer sur ça, tu vois. Enfin, vous pouvez tester toujours le mode OS, mais dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est juste un boost de l'attaque mortelle, ça peut être sympa. Quitte à jouer la perfidie Showstrap et mettre les attaques mortelles en fin de tour si votre ennemi est à moins de 25% de leur point de vie pour que l'attaque mortelle tape plus, why not? Et pour finir, la dérobade, donc là je vous l'ai montré en vidéo, pour vous mettre invisible un tour, moi je trouverais que c'est vraiment très fort parce que elle coûte 2 PA, elle coûte pas 3 PA, elle coûte pas 4 PA, elle coûte 2 PA. C'est ridicule de PA avec piège mortel pour 5 PA, vous mettez invisible, le mec ne peut
peut ne pas vous trouver facilement, etc. Vraiment très fort. Et du coup, la marque portuaire qui fonctionne comme perfidie, hein. Vous faites des pièges et les lignes d'érosion s'accumulent. Sachant qu'on peut en faire deux, donc la première, si vous mettez plein de pièges, elle fera 30% d'érosion, mais la seconde fera que 10% d'érosion. Vous pouvez mettre 40% d'érosion. Ça peut être intéressant dans du PVPM, dans des tournois, etc. Ça coûte pas cher de PA. Ça peut vraiment être utile quand il y a une team où il y a des piliers, etc. En jouant un mode mono-élément sur SRAM, ça peut vraiment être sympa. Ou le combiner au fourvoiement maintenant qui tape à distance, un mode air fourvoiement combiné à marque portuaire, mais je suis pas convaincu que ça serve, sauf si certaines compositions vont avoir besoin d'un érodeur et choisiront le SRAM au lieu du YOP, au lieu de l'Upermage, au lieu de plein d'autres SRAM, parce que maintenant je rappelle hein, que fourvoiement dure plus que 2 tours au lieu de 3 précédemment. Mais bon, 13% d'érosion, c'est pas négligeable. Ça fait le taf. Bon allez les gars, je vous laisse. Je vous sortirai peut-être de prochaines vidéos sur le SRAM R en Coliseum 1v1, sachant que j'ai 4400 de côte. C'est pas le feu pour le moment, mais j'ai du progrès à faire. Je maîtrise pas entièrement les variantes. J'utilise pas les trophées résistance. J'ai encore de la marge pour m'améliorer. Bon, ouais, sur ce, je vous laisse et à bientôt, les gars.